Bonjour tout le monde! Ça va être compliqué si je dis bonjour à tout le monde aujourd'hui. On va quand même essayer de le faire. Coucou Bulle Bleue! Coucou Macalina! J'espère que t'es opérationnelle ce matin. T'as fait une bonne nuit. Coucou Maju! Coucou Néodiem! Il est trop cute, la petite émote chatoune. Coucou ma Cécile! Coucou Gaffeuse! Coucou et le colo! Et j'ai oublié de te dire, j'ai fini le colo au fait! Je l'ai fini. Ah, faut que j'enlève le petit chat. C'est celui qu'on a fait hier. Image de ref. On va l'enlever. Ah, ça y est, ça commence. Fozzie est là. Attention, tenez-vous prêts. Fozzie est là. Il va être déchaîné. Il va faire du bruit. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous êtes prêts pour le Coloraton, 3e édition, sur le thème de la magie? Vous avez prévu un petit colo? Comment ça va, gaffeuse? J'espère que vous avez prévu le petit café comme moi, le petit plaid, parce que franchement aujourd'hui c'est encore tout gris. Je suis désolée, je vous amène pas le soleil. Ça va. J'ai bien dormi. Je suis moins fatiguée qu'hier. Bah, c'est vous qui allez choisir le colo que je vais faire ce matin. J'ai sorti trois trucs. J'ai sorti trois trucs. Et on va faire un sondage, on va voter. Hein, comme ça. Oh, c'est mignon. Mais oui, du coup, j'ai fini la popo Cafion de Tasse, je l'ai fini. Et j'ai pas fait de photo encore, mais faut que je te l'envoie. Hier, j'ai fini mon duo avec Princesse. J'ai fini ma double page bleue. Oh là, j'en pouvais plus. On a fini ça hier en live. Ah, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. The girl in New York. Mais oui, c'est bien, ça va nous. Ce coloraton va nous permettre de connaître d'autres streamers, youtubeuses, colos, ça va être cool. Et 67, hein. On est 67 cette année. Truc de fou. L'année dernière, j'avais pas pu le faire parce que bah voilà, c'était des lives sur YouTube. Merci pour les follow. Coucou Miss Pondy. Merci. Du coup, ouais, on a fini ça hier et j'en pouvais plus. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je ferai pas de bleu. Normalement, non. Coucou Lesvie. Comment ça va? Mais oui, là, on va voir. Voilà. Je me doute, moi-même, je vais pas pouvoir suivre tous les lives ou les vidéos en première roue. Ça va être compliqué, mais on va avoir de quoi faire. On va mettre pouvoir avoir du stock là. Coucou Oshiwa. Coucou, ça fait bizarre de vous voir là. Ça fait du bien. Je vais faire du violet, tu penses? Là, franchement, non, j'en pouvais plus. Oh. Mais ouais, contente qu'elle soit finie. Même si je sais pas si je vais pas retoucher un petit peu pour. C'est pas mon truc encore. Mettre les effets lumière et tout, c'est pas encore mon truc. Mais je suis contente de l'avoir fini celle-ci. Bah oui, du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais montrer quelques trucs que je fais. Coucou Diablotine! Bienvenue! Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Ceux-là, ils sont un peu vieux. Parce que bah forcément. Hein. Si la première fois que vous venez. Et Posy, il va mettre son nom partout là en bas, je vois. Dis donc. Du coup, moi, je fais du mystère. Je fais aussi du Disney, du hors Disney. Ah, ça y est, il a réussi à voir la copulation. Kalina n'était pas passée par là. Attention, ça va. Il y a un peu de violet, on est bien. Donc oui, sur Twitch, c'est pas comme sur YouTube, vous allez voir. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Si on peut y répondre, on y répondra avec plaisir. Du coup, ouais, je vous montre un petit peu. Je vais remettre là. Voilà. Montre un peu ce que je fais en attendant que les gens hein, s'installent et arrivent. Oh, coucou Créa! Bienvenue! Celle-ci, je me souviens, j'avais galéré, j'avais tout fait les arbres derrière et je suis pas fortiche pour faire des ajouts, moi. Je suis pas encore au niveau de certaines. Hein. Un jour, peut-être, ça viendra, mais celui-là, du coup, je l'avance principalement avec Princesse. On se fait un duo tous les mois. Ah, toi aussi ta petite potion, moi je l'ai préparée.
Je suis opérationnelle. Avec le petit plaid, on va être bien. Oh, c'est gentil, ça, nous. Nous, Dieu. Et coucou, Mag! Il m'en reste un dans celui-ci. Ouais, j'avais fait celui-là. Moi, je suis une férue des fonds avec les aquarelles. Je vais pas trouver le nom. Ah! Je vais devoir avoir besoin de ma OK Kalina. Les supervisions. J'adore les supervisions. Du coup, c'est souvent que je fais des fonds avec des supervisions. J'adore. Mais voilà, celui-là, je l'avance principalement avec, avec Princesse. On se fait un colo. Un mois, on alterne. Un coup dans le forest, un coup dans le Mina de Mascarade. Mais voilà, j'adore Anna Carlson. Par contre, je suis désolée. Pour les amatrices amateurs de Clara Markova, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Merci, Bulle Bleue. Vous avez préparé quoi, vous? Est-ce que je vous montre un peu de Disney? Hier, quand j'ai fini mon Anna Carlson, on est parti dans celui-ci. On oublie qu'on a nos petits. On avait commencé celui-ci hier. Mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu de Disney aussi. C'est là qu'on voit les fonds dégueulasses qu'ils nous faisaient, hein. Voilà. Et moi, je suis nature peinture, hein. S'il y a quelque chose que j'aime pas, vous allez le savoir tout de suite, je le dis. Hachette Rose, avec moi, ils en mangent. Les fonds à l'aquarelle, c'est la vie. J'adore les aquarelles, j'en ai trop. Il va falloir que je me trouve un système pour les ranger parce que ça devient compliqué pour avoir les swatchs qui correspondent au. Et j'aime bien aussi le gesso noir. Aussi. C'est lequel? J'en ai encore, je crois. Normalement, il y a encore un Coco Lapin, mais tout simple. C'est Coco Lapin ou c'est Jeannot Lapin? Là, j'ai un doute. Ah, oh, tu es au travail! Oh, courage! Et coucou! Mythomorphia. J'en ai fini un il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer après. Mais ouais, hier, je suis retournée dans celui-ci. Mais voilà, les fonds, ça fait mal aux yeux. Mais ouais, je fais un peu de tout. Je vais vous montrer du coup le mytho. Qui est? Je l'ai pas rangé? Ah oui, mais c'est parce qu'il n'a pas le nom de. Non, il n'est pas là. Alors, que personne ne bouge. Si j'ai perdu mon mythomorphie, on n'est pas bien. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de réfléchir, mon mytho, j'en ai fait quoi? La panique à bord, là. Oh! Coucou Elsa! Le Anna Carlson? Moi, franchement, j'aime beaucoup. Clara Markova, j'ai essayé, hein. Arrête d'invoquer Papiti. S'il vient, on n'est pas bien aujourd'hui. Je suis pas bien là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon mytho? Avec Teddy Smith derrière, c'est pas ouf. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de mon mythomorphia? C'est la panique. Bah du coup, je peux pas vous montrer. Mais oui, j'ai fini la page du Kirin. Kirin? Grosse pensée à ceux qui travaillent. Oui, ils vont penser à eux. Ils vont avoir la masse de replay. Et les miens, ils sont horribles. Clara Markova. Clara Markova, ouais. J'ai essayé. Je m'étais pris le Fairy Miracle? Non. Celui qui fait un peu Halloween, là. Non, Fairy Touch of Magic. Ouais, c'est celui-là que j'avais essayé. Il y en avait un, je l'avais fait, ça s'était à peu près passé, mais le deuxième, je me suis forcée pour le finir et tout, donc. Mais là, je comprends pas ce que j'ai fait de mon mythomorphia. Franchement, je. Bref. Faut que je passe à autre chose parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va me stresser.
Mais non, je sais pas ce que j'en ai fait. Sinon, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Vous allez choisir. Je vais envoyer un SMS à papy. Non, non, non. Laisse-le faire dodo. Coucou, Chouquette. Si jamais je rate des messages, n'hésitez pas à remettre. Parce que, voilà, je suis pas habituée à ce qu'il y ait autant de personnes, moi. Mais oui, je sais pas ce que j'ai fait de mon mytho. Si c'est Jacques qui me l'a piqué, on n'est pas bien. Je vous le dis, moi, les gars. Non, il doit être sur mon lit. Sous Bella ou. J'accuse souvent ma fille ou mon chat. Sachez-le. Je vais regarder, il doit être sur mon lit. N'est-il pas? Mais oui, il doit être là. Oui, il est là. On est sauvés. On est sauvés, il est là. Le mytho Morphia. Alors, le jeu, le père, je. Non, c'est pas possible. C'est déjà mon deuxième. J'avais l'édition plume. Mais mes pages, elles se détachaient toutes seules. Du coup, bah, je l'ai racheté en édition polonaise. Mais j'adore. Ça avait été fait il y a très longtemps. C'était avec les Castell Art Supply, je crois. Et le Brutfener 180. Là, ça doit être les Castell Art et là, c'est les Brutfener, je crois. Mais non, mais ce livre, c'est ma vie. La petite pensée pour détente en couleur. Hein, normalement, c'était un duo, mais elle n'a toujours pas fini. Sachant qu'on l'a fait il y a. Ça fait très très longtemps. J'ai voulu le faire avec les sept nains. Là, vous voyez, c'est simplet, là. Mais non, on voit pas de message à papy. Vas-y, s'il te plaît. Ah, mais il est trop trop bien ce livre. J'aimerais bien qu'il en refasse un dans ce style. À voir si le Dark Fantasy, c'est ça? Merci, Julie, pour le resub. Et j'ai pas les alertes. Pourquoi? J'en ai fait des spéciales en plus. J'avais fait des spéciales pour le coloraton. Faut toujours que ça marche pas quand il faut. Bah, je vais remettre les anciennes du coup, tant pis. Abonnement, j'avais tout décoché, je vais recocher. Tant pis. Ah bah oui, ça met une erreur à survenue. Ouais, d'accord. Bon bah c'est Twitch qui galère. C'est pas grave. Coucou Audrey, ça va? Bien dormi avec les monstres? Moi j'ai été soulagée quand le klaxon a arrêté de klaxonner. Hier soir, on a eu une voiture sur le parking juste derrière qui s'est mise à klaxonner toute seule. Il n'y avait personne dans la voiture et ça a klaxonné pendant, je dirais bien 1 heure. Donc je pense que ça bonbonne, parce que ça, je pense que c'est une bonbonne de gaz quand même, le klaxon quoi. Ça, elle est arrivée à fin et du coup, bah, ça s'est arrêté. Mais là, la voiture est plus là, donc il a dû partir bosser. Mais bon, à mon avis, son klaxon, il est mort quoi. Ah ouais, le nouveau, j'ai hâte. Mais je vais attendre qu'il sorte chez Marabout. Ça va être long. Non, je pense. Là là. Amusez-vous. Profitez. Sur Twitch, on peut s'amuser. Poka. Celui-ci m'avait limite fait un. Une panne colo. J'avais passé tellement de temps sur cette page et puis surtout à détourer chaque écaille. Oui, tu as le droit. Il faut que tu lâches tout, Adé. Coucou, Dragon. On est d'accord, ils disent tu pues des bras, hein? Oui, Twitch est vraiment plus adapté pour les lives, je trouve. Tu pues des bras. Merci Adé pour cette interlude. Mignon. Je voudrais attendre Marabout aussi, mais je suis pas sûre de pouvoir. Ouais, moi c'est pareil, mais. Ou au moins l'édition polonaise, mais après, est-ce laquelle va sortir en premier, la polonaise ou Marabout? Parce que non, je prendrai pas Plume, c'est sûr, j'ai tellement été déçue. Mais ouais, celui-là, j'avais bien, bien aimé le faire. Mais ça m'avait mis quand même une petite panne derrière.
Celui-là, je l'avais fait pour avec Didi. Je voulais faire un orc Barbie. Celui-là, c'était avec Killycut. Donc ouais, souvent du matériel aquarellable pour les fonds. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore de fait là-dedans? Celle-ci. Je l'avais fait dans l'édition plume, je l'ai recollée celle-ci. Mais je l'ai refaite il n'y a pas longtemps. Dans le Color Morphia. Parce que bah du Kirby, ça ne me gêne pas de refaire. Ça va bien se passer. Du coup, oui, celui-là, je l'avais refait. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah là, ça y est, Fozzy va péter les plombs. Mais on voit que voilà. Et... Enfin, Fozzy, ça suffit maintenant. J'aimerais bien avoir mon écran tranquille. Celui-ci, je l'ai fait il y a tellement longtemps. Et celui-là, il n'y a pas longtemps. Coloraton. Donc là, c'est un événement qui va se dérouler sur combien de semaines, Adé? J'ai besoin de mes petits jokers hein, parce que on est 67 personnes à faire des lives du coup, live ou vidéo en première où on va faire des colos sur le thème de la magie, histoire que vous découvriez plein de personnes, histoire de se regrouper. Qu'un jour, Fozzy, ça suffit. Tu vas te faire ban aujourd'hui, toi. Lomart, c'est mieux que Plume. Lomart, j'en ai pas. J'ai pas décision, Lomart. Je crois pas. Non, ça, c'est encore une plume. Ouais. J'ai celui-là aussi en édition Plume. Mais j'espère que mes pages vont pas se détacher. Ça, c'est le truc. Pas, pas, pas. Mais bon, on va tellement dedans aussi. Puis ouais. Ouais, ouais, c'est le dernier que j'ai fait. J'avais commencé à suivre le color along de My Color Full Country Life. Mais je voulais pas le faire jaune, donc j'ai changé les couleurs après. Mais c'est le dernier que j'ai fait dans le mytho. Et pareil, un plaisir. Sort 10 jours après Plume. Ah ouais, ils annoncent pas plus. Coucou Karine! Oh, je suis désolée si je rate du monde, ça va vite là. Le prochain, je te banne, Fozzy. 67 chaînes, hein, Stania. Hein. C'est fou. C'est trop bien, on va avoir du colo partout, partout, partout. Smart. On va peut-être quand même proposer le sondage maintenant parce que sinon on va jamais avancer. Et puis je vous remontrerai des autres colos le temps que le sondage est en cours. Ok? Alors en premier, j'avais sorti le Axan Stuga. Hein, il est déjà d'une deux saisons et de deux pour le thème magie, il est complètement dedans. La baguette, parce que la baguette magique. Bon jeu, Fozzy. Pète-les tous. Donc, la baguette en numéro 1. Donc, le Anna Carlson. Retenez bien. En 2, je crois que j'ai mis ça, ouais. Du Anastasia Eli Koldareva dans le Mermaid Legend. Voilà. Donc, une sirène et un... Ça s'appelle comment? Une sirène aussi? Un sirène? J'ai jamais. Je m'étais jamais posé la question. Mais il y aurait celui-ci en numéro 2. Un triton? Ah ouais, le roi triton, c'est vrai. Et en troisième, dans une illustration du Witches dans le Cocowayo. Moi, je les ai pris sur Etsy. Du coup, j'ai imprimé en A5. C'est super chill à faire. Donc, Witches dans le Cocowayo. Le Cocowayo dans le Witches. Enfin bref, vous avez compris. On a du mal. Ah oh, mais non, Fozzy, tu vas les avoir. Donc, à vous de choisir quel élu on fait. Enfin, quel élu je fais, du moins. Hein, mais j'espère que vous allez m'accompagner quand même. Hein, que vous avez choisi un colo de votre côté. Voilà, la baguette. La sirène et son triton.
Ou la sirène et son balai. La sirène. Bah, la sorcière et son balai. Ça commence bien là. Sondage en cours. Donc si jamais vous ne voyez pas le sondage en haut de... Ça dépend si vous êtes sur PC, sur tablette ou sur téléphone. Faites un petit refresh si jamais vous ne voyez pas le sondage. Voilà. À vous de choisir. C'est à vous de jouer. Soyez cool, s'il vous plaît. On en était où? Dans celui-là. Là, je sens qu'il y en a un. Non? Je sais pas lequel que je ferai la prochaine fois. Ah là, on a la licorne. Il y a Cécile qui est dessus là actuellement. Elle le fait sous les tons bleus. Pareil, j'avais adoré la faire aussi, celle-ci. Et j'avais essayé les perles, là, les 3D perles de je sais pas quoi là, chez Action, là, bah c'était pas ouf. C'est tout pour celui-là? Ouais. Mais Kirby, j'aime. J'aime. Ah bah non, t'as pas fini, c'est une double page. Non, tu peux pas voter pour les trois. Est-ce que je vote? Allez, je vote. Coucou, Coloricat. C'est la première fois que tu parles. Mais t'as vu, hein, je mange personne. L'an prochain, la licorne? Ouais. Vous avez choisi quoi comme colo? Non, ça va. Ça va. Je regarde pas le nombre. On va éviter. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Coucou Dino! Oh les petits culs qui se trémoussent. Voilà, ça c'est Dino. Dans le cercle de la vie. C'est le colo que j'ai fait à mon premier live, je crois. Ou au début, où j'ai commencé à faire des lives. Fesse. T'as pas encore choisi? Moi, j'ai déjà mis sur papier pour le prochain. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-ci? Je sais que j'ai fait ces doubles pages pour Gaël Katsu. C'était un thème papillon. Oh, j'ai adoré. J'avais adoré le faire. T'as le temps, c'est quand toi Merci, Lizzie. Oui, c'est moi qui lance le bal. Et t'es au travail, du coup, là? Oui, c'est vrai, Liska, elle a offert un freebie pour le coloraton. Merci. C'est bien, il y en a qui vont se lancer en live et ça se trouve, vous allez prendre du plaisir et après, ça va peut-être vous donner l'élan pour en refaire et tout. T'as quitté à 9h30? Bon, ça a été finalement parce que le début de la journée, c'était pas ouf, je crois. Hein. Celui-là, je l'avais fait pour Didi, je crois. Le gesso noir, hein, bien entendu. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Celui-là, j'y suis pas allée plus que ça. Pourtant, j'aime bien. J'avais fait celui-là, mais c'était peut-être mon tout premier dedans. Ba banana, ba 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 ba. Mais le prochain, j'ai enlevé mon marque-page? Non. Est-ce que je dois en refaire un là? Dedans. Celui-là. Je vais remettre un marque-tapage. Pour Gaël, du coup, le thème plume. Jusqu'à fin décembre, je crois. Ah, le gesso noir, c'est trop cool. Quand le fond est moche, quoi. Ah, c'est vraiment bien. Est-ce que je vous remonte du Kirby ou je vous montre autre chose? Vous voulez voir quoi? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le temps que le vote se termine. Ah, le vote se termine, le vote se termine. Ah, mais vous avez été cool finalement. J'ai cru que j'aurais eu le pire colo, super compliqué, tout. Mais non, vous avez choisi le coco wayo. Waouh. Vous êtes plus sages que ceux qui me suivent d'habitude. Week-end de 3 jours, ouais.
Ça va faire du bien, quoique. Est-ce que mes enfants vont être sages? Ouais, c'est ça qui est cool, hein. Surtout, tu sais, il y a beaucoup d'interactions entre vous et moi, c'est ça qui est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour cette ilu? C'est juste un mirage. Parce que moi, je sais jamais dans quoi je pars avant d'y partir. C'est juste dans le Anakar Zone où là, je savais que je voulais faire du bleu. Je sais pas pourquoi j'avais eu cette idée finalement, parce que waouh, c'était chaud, les marrons, chaud. On va ranger un petit peu du coup. Hein? Faut pas que je me laisse submerger par le bordel. J'avais hésité. Je le mettrai peut-être pour la prochaine fois les enluminures. C'est le genre de livre où on va pas assez souvent, je trouve. It's just a mirage. Ouais, je range parce que. Mais Kirby, oh là là, Kirby. Qu'est-ce qu'on l'aime. Je sais pas s'il se rend compte qu'il a une communauté française aussi impatiente d'avoir le prochain. Même pas vrai, j'ai été sage en plus pour une fois. Pour une fois, tu t'es dit, il y a du monde, on va se tenir. Ouais, j'espère. Voilà, oh là là. Parce que là, les dernières vacances, papy mamie me les ont pris une journée et une nuit. Voilà. Oui, la stream chante habituellement, donc je vais essayer de faire attention aujourd'hui. Parce que si jamais, voilà, les pauvres replayeurs. Ouais, désolé, en plus là c'est Beyoncé, je vais me déchouer. On se calme, on se calme. On se calme, Beyoncé. Allez, on va commencer par le visage. Du coup, là, elle est toute petite. Non, je commence là. On se calme, on a dit. Bah écoute, j'ai chanté un peu hier, il n'y a pas plu. Ça reste gris. Oh, trop mimes les petits chants. Oh, j'aime trop. Qu'est-ce que je pouvais prendre aussi? Il est où? Normalement, ah, il est là. J'ai des crayons, des prismas qui deviennent tout petits là et ça me. C'est vrai? Ah bah écoute, on va faire un on va faire un groupe. Allez, on est parti. Mais ouais, là je. Ils sont tout petits mes prismas là. Oh là 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 là. Va falloir que je les mette un petit peu au tiroir et puis que j'utilise mes autres gammes. C'est quoi vous, vos crayons préférés? Je fais souvent les fins de phrase, moi. C'est ma spécialité. Caracolo, mais oui! C'est ce que je disais à mon homme. Il n'y a pas de truc de karaoké à Amiens. Oui, moi je suis d'Amiens. Je sais pas. Si jamais. Il n'y a pas de truc de karaoké. Mais style comme les Japonais où c'est des salles séparées quand même. Pas que ce soit en plein dans le bar. Quand même. On est un peu timide quand même. Incapable de choisir, tu mélanges toutes tes gammes, Miss Pondy? Sur mon Anakar Zone, j'avoue, j'ai mélangé mes gammes. J'avais sorti Colline, Brut Funeur 520, j'avais sorti Luminance, Prisma. J'ai utilisé des Staedtler, j'ai utilisé quoi? Brune-sur-Mer. Oui, pas loin. Il y a des gens d'une schnorr. C'est pour ça le Schiottval, hein. Il y en a, je les raide des fois. Et j'ai droit à Schiottval. Non, il y a un T, s'il vous plaît. Ch'ti. Ch'tiot. Mais je suis pas native d'ici, hein. À la base, je suis jurassienne. Vous mélangez?
Moi, j'ai du mal. Coucou Cassie! Comment ça va, Cassie? J'ai pensé à toi hier soir. J'ai commencé à regarder le live de d'Hollywood. Je me demandais pourquoi elle l'avait pas encore utilisé. Mais aussi. Merci Saki pour le follow, bienvenue. Coucou Kiniki. Oui, je viens du Jurassique. Ouais. Je viens du Jura. Boum. Vive le Nord. Ouais. Pas coordonnée ce matin. Ouh, hop. Coucou Marie. Team Prisma, on est beaucoup, hein. On est beaucoup. Oh, ça va vite là, ça va vite, ça va vite. Je suis désolée si je vous lis pas. Oh, bon courage pour le travail. C'est chiotte. Mais ça va aller, ça va aller. C'est le début. Après, on s'y fait à Twitch. Une fois qu'on a compris à quoi servent les petites emotes, les petits machins, c'est bon. Parce que bon, oui, t'as les emotes, t'as les cheers, t'as les points de chaîne. La Belgique. J'ai vécu. Bah, avant d'arriver sur Amiens, j'ai vécu un an en Belgique. Ouais. En fait, je le. Ah, tu le trouvais pas, il est en bas de la liste. Eh ben voilà, Cassie. Attends, elle a des gants, faut pas que je me fasse avoir. Parce que moi, je suis le genre de nana qui, quand elle colo, elle oublie toujours quelque chose. C'est limite au moment de faire la photo, je me dis, ah, t'as oublié un élément. Valentin. Il n'y aura pas plus de peau que ça, je crois. Valentin. Mais oui, je suis en Picardie. Ah oui. Boulogne. J'arrive pas à voir. C'est pas de la peau, hein. Elle a un col là, on est d'accord. Elle a un col, hein, la dame. Eh ben, dis donc. C'est grand comme ça, Boulogne? Moi, je suis native de Dole. Ça vend moins de rêves. Là où ils font la concoyotte. Oui, le monde est petit. Mais oui, j'ai utilisé chtiotte parce que, bah oui, ch'ti, et puis parce que je suis petite. Mais vraiment. Voilà. Alors, vous avez sorti un colo? Tu. Tu. C'est Hello, elle me donne envie de faire du mystère là en ce moment, mais oh là là. Je m'étais sorti le schtroumpf, mais après le Anna Carlson tout bleu, là, clairement, non, pas de schtroumpf. Et j'ai pas fini de classer mon nuancier, là, pour mes feutres acryliques. Du coup, ça me. Je sais pas pourquoi je me prends la tête avec ça. Je pourrais juste choisir mes crayons. Je le teste et puis c'est bon.
Je sais pas pourquoi je me freine parce que mon nuancier est pas fini. De buter la meuf. Ah, Bella, tu viens faire une apparition? Tu veux te m'étouffer. Donc j'ai un chat qui s'appelle Bella et qui est assez spécial. Voilà. Elle est pas câline, hein, du tout. Elle vient quand elle a besoin de quelque chose. Hein? Ouais. Et si je viens à trop la caresser, elle m'agresse. Oui, je me prends la tête avec tout, je sais, je m'en rends compte actuellement. Allez. J'arrête pas de lui dire que c'est pas elle la star de la chaîne, mais elle continue à s'incruster. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux te mettre dans mon dos si tu veux, si tu as froid. Je t'ai remis des croquettes, t'as de l'eau. La litière est faite. Normalement, c'est bon. Je sais pas. Écoute, Lisvi, j'ai vu le colo, je me suis dit. Et il me semblait avoir vu quelqu'un avoir fait un monochrome comme ça dans les tons bleus, machin. J'ai cherché sur Pinterest. Instagram, pas moyen de retrouver le colo en question. Donc ça se trouve c'était dans ma tête. Mais bon, j'ai voulu faire ça, je sais pas. Imagine une salle des fêtes avec tout plein de colo copines. Ouais, sur tous les coins de France et autres pays, ce serait un truc de fou. Ça serait très bruyant, je pense aussi. Faut t'avouer à moitié pardonner. Oh. Mais là, tu peux aller te coucher. En plus, tu perds tes poils partout, ça va me piquer le nez. Allez, gros chat. S'il te plaît. Et j'ai aucune autorité sur elle, elle sait très bien que c'est elle qui commande. Hein? Bah oui. Parce que madame, elle vous chope. Le chat agressif. Ah oui, parce que sinon on n'est jamais là. Hein. C'est dès que je lance un live, hop hop hop, ça squatte. Allez ma puce. Va te coucher. Allez Mimi. Allez Bella. Allez, va sur le lit. Allez, bouge. Non! Non! Va falloir que je trouve un système pour avoir un Mac ou je sais pas quoi qui s'accroche au siège ou si elle veut être à côté de moi. Allez, non, ne me bouffe pas, s'il te plaît. Allez, va. Va. Sinon, tu viens dans le dos, il y a le coussin si tu veux. Allez, va dodo. Mais ouais. Elle me chope souvent. Ou elle chope mes enfants. T'as le malheur de passer sur son chemin alors qu'elle avait décidé qu'il fallait pas. Bam. Ou elle te niaque la nuit, tel un serpent. Mais c'est vrai que les coloristes ont souvent des chats. Hein? Ouais, je veux bien, Dragon. Parce que ouais, j'ai scrollé, j'ai regardé un peu partout et j'en ai pas vu. Le chacha. T'en as quatre. Oh là là. Ah, Miss Pondy. Tu fais pas partie du club chat? Et bah alors? Deux chats, voilà, deux chats. Et allez. Merci Dragon. Ah. Bah moi c'était la première fois que je tentais et bon j'ai un peu triché parce que oui il faut que je colo. Et c'est bon, vous voyez comment elle est ma modo. Team chat, un chien. Ah waouh! C'est dans quel livre? Attends, faut que je lise les. Ah, je connais pas celui-là de bouquin. C'est beau. Bah écoute, j'avais dû le voir parce que j'ai. Attends. J'avais déjà dû le voir, je pense. Ouais, j'avais liké. Je l'avais déjà vu. Mais qui, hein?
Qui a pas une mémoire de poisson rouge? C'est qui m'a fait le fouet là? Ah, Kalina. Attention, hein. Attention, Kalina. Tu colos, toi, au moins. Est-ce qu'il me manque pas un crayon? Si, il me manque un crayon. J'ai des poils de chat partout. Ah non, le téléphone, je réponds pas. Je suis désolée, mais non. Ah, je suis. Non, je réponds pas aujourd'hui. Je suis pas disponible. T'as l'épée, Joseph. Mais je peux te la retirer, l'épée, attention. Bonne journée, Chouquette. Merci d'être passé. Incroyable. Non, pas chanter, madame. Pas chanter. Quelle couleur vous pensez pour les cheveux? Pour les cheveux, généralement, j'utilise les polis. Incroyable. Merci. Cheveux roux. Ça me rappelle un coup. J'ai fait un colo et je pensais avoir fait des cheveux roux. Ils m'ont dit non, non, elle est pas roux, c'est les brunes. C'est comme pour les couleurs peau mat. J'y arrive toujours pas. C'est jamais assez mat, pardon. Je suis en train de m'étouffer. Oui, tu peux me surveiller, toi. Tu restes où tu es, d'accord? Elle est en train de se demander comment elle pourrait s'incruster. Rose. Rose et vert sur les pointes. Elle me fait penser à Mitsuri de Demon Slayer. Laquelle c'est? Ouais, mon chat c'est Bella. Coucou Sylvie! Bleu, ah, va falloir faire un sondage pour les cheveux aussi. Y a possibilité, hein. Ah ouais? Attends, day. Tic-tac, tic-tac. Day. Nana. Sondage. Kalina, tu nous fais un petit sondage pour les cheveux, s'il te plaît? Qu'on a roux, bleu et Cassie rose avec pointe verte. Tic-tac, tic-tac. Not in day. Allez, c'est parti pour le sondage. Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à refresh. Nanana nanana. Alors, je voterai pas bleu. Vous avez oublié que j'étais au bout du bleu là? J'en peux plus du bleu. Je suis au bout du bleu, j'ai tout donné en bleu. Le bleu, c'est fini jusqu'à l'année prochaine. Oh, merci Dragon. Ah, pour l'instant, c'est le roux. Allez, je vote.
Oui, je sais. Les coquines, elles veulent me voir souffrir. Parce qu'après, et en plus, elle en a des sacrés de cheveux, hein. Il y a le petit chien. Elle est assise sur ma trousse de colline. Le roux, bœuf, et fini le bleu. Bœuf. Sur le caron, les cheveux roux. J'ai pas de mémoire. C'est horrible. Le caron, c'est lequel que je vous ai montré? C'est le Forest Kingdom. Je sais déjà plus ce que j'en ai fait. C'est vrai en plus. Ah, il est là. Une rousse. Non, c'est violet. Il y a une plume, mais il n'y en a qu'une, hein, ça va pas compter. Hein. Eh, je triche pas, moi. Je suis roux. Karlsen. C'est pas celui-là. Tu nous as loupé, Lizzie. Ah, le facteur, qu'est-ce que t'as commandé? Allez-y, allez-y, votez, votez, votez. Ah, c'était peut-être dans le. Non, l'accent de soublet, je voulais pas montrer. Oh. C'est cette page. Oh là 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 là, je l'ai fait avec ta, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai kiffé cette page. Elle est trop belle. Anna Carzone, elle fait des. Ah, oh, pourquoi j'ai un marque-tapage ici? Ah, bah oui, c'est la baguette. Hop. Non, c'est pas dans celui-là non plus. Où c'est que t'as vu? Caron? Pas Carzone, attends. Je vous ai montré du Caron? Ah, mais c'est dans le. Comment il s'appelle? C'est un trou. Comment il s'appelle le Caron? Je vais me poser bien ranger là, j'ai le cinquième. C'est pas ranger vos affaires. Ranger vos affaires, vous savez plus où. C'est celui-là, je crois. Comment il s'appelle? Wildflower Folk. Christine Caron, qu'est-ce que j'aime aussi. Oh, pareil, j'en fais pas assez. C'est peut-être pas dans celui-là. Je sais qu'il y a celle-ci. J'ai adoré la ferrale. Pareil, je l'ai fait en live aussi. J'avais bien aimé justement les cheveux. Regarde là, Cassie qui fait des. Ah, tu commences un peu les cadeaux de Noël? Ouais, t'as raison. On influence pas les votes, Cassie. Attention. Mais ouais, j'avais adoré la faire celle-ci. Mais non, c'est pas celui-là non plus. Les cheveux. Ah si, c'était elle! Ah, c'était elle. Pareil, c'était avec Taz aussi. C'était pour le challenge royauté de 10 siècles, je crois. Donc celui-là. Est-ce que je l'ai noté, ce combo? Pensez-vous? Oh, Faudy, non! Faudy, tu devais être en train de jouer! Sauve-toi! Va des rétros, Satanas! Allez, cheveux roux. Mais bon, je pense pas que je l'ai noté. Combo. Mais oui, c'est vrai qu'il était pas mal celui-là. Oh, les carrons. Ah ouais, c'est top. Faut vraiment que j'y retourne dans celui-là. Mais j'en ai plein. Mon papier Amazon. Mais bon, on fait avec. Ouais, celle-là par exemple. Sa petite là. Ouais, celle-ci, je l'ai déjà fait, je crois. Mais oui, on va essayer de refaire ces cheveux-là, là. On va essayer. Parce que c'est le roux qui est passé. Sorry, Cassie. À toi de sortir ton coco wayo et de faire les cheveux que tu veux. Allez. Oui. Mais
Kalina! Je rajoute un crayon. Non, je n'ai pas noté. On repart sur du. Ouais, tu peux parler entre deux games, ouais. Ouh, je suis en train de rouler sur ma trousse. Je me suis pris la roue dans la poignée. C'est bien ça, c'est la trousse qu'il me faut. Poli! J'ai sauf. Ah oui, le livre. Et j'avais galéré pour l'avoir. Je crois que je l'ai acheté sur eBay, du coup. Bah là, c'est le dernier Carlzone que je voudrais, mais il n'y en a plus. Mais quand tu peux pas l'acheter quand il sort, bah voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Nanana, amore mio. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas du tout ce que j'avais pris pour celui-là. Il y a du rouge, il y a du orange. On va voir. C'est ça, et on va prendre. Nana, t'es qui là? On va voir. Hop. Le nouveau Sagar. Déjà, il est déjà en rupture? Oh, pourtant, elle aurait dû prévoir, vu que tout le monde qu'il voulait, elle aurait dû prévoir. Un livre de Noël qui sort en printemps. Moi, j'avais fini par annuler ma commande du Caron, mais ça arrivait jamais. Mais après, on me l'a offert. Ah, t'as eu de la chance. Moi, je l'avais précommandé sur Amazon et j'ai jamais reçu, alors que les personnes qui le commandaient. Qui l'ont commandé après, qui l'avaient pas précommandé, l'ont reçu. Alors, au lieu d'envoyer ce qu'ils reçoivent aux personnes qui avaient précommandé, ils préfèrent envoyer aux personnes qui commandent après. Enfin, c'est... Bref, Amazon, c'est pour ça que je précommande plus. Trop déçu. À chaque fois, tu reçois pas les trucs dans les temps ou en avance ou t'as une précommande qui te sert à rien en fait. Donc, je précommande plus. Parce que bon, sur Amiens, on n'a pas. Voilà, on a Cultura, mais ils n'ont pas énormément de choses colo, franchement. On a quoi? La Fnac. Mais. Faut aller au centre-ville. Il y a Martel. Mais. Pareil, ils n'ont pas les Derwent. Ça m'ennuie, ça. J'aimerais bien avoir un géant des beaux-arts. Ça pourrait être bien. Je vais le prendre sur Amazon US, je pense, le Sagor, du coup. Ouais. Mais non, c'est pas. Je me vois pas colo dedans, moi. C'est comme ça après. Hein. Moi, vous voyez, hein, Clara Markova, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Y en a qui aiment pas le. Anna Carlson. On a toutes des goûts différents, hein, heureusement. C'est pareil, on a toute une façon de faire. On l'a bien vu là avec la vidéo de Bruno par rapport au colo, qui a fait quoi. On a bien vu. Il y en a certaines, on les reconnaît assez facilement. Même s'il y en a qui essayent de brouiller les pistes. Les seuls préco qui ont fonctionné pour moi sur Amazon, c'est en préco la veille de la sortie. Ah ouais? Tu fais des tests comme ça? C'est pas le même stock chez Amazon, d'où les soucis. Ouais. Les frais de port sont élevés. Je tiens à prévenir. Ah! Le Sagor et le Anna, j'y arrive pas. Mais j'adore les mises en couleur. Ouais, c'est ça. Mais c'était il y a quelques années et pas pour des gros livres hyper demandés. Ouais. Ouais, mais c'est pas cool. Que la Fnac, j'avais commandé quoi, je sais plus, pour la sortie et je l'ai eu un jour avant, je crois.
C'est pareil, Amazon qui t'envoie des livres abîmés ou machin. C'est dingue. Sinon, quand je veux quelque chose, bah, c'est Auchan. Mais ils font plus les 5%. Et j'ai plus de centre culturel Leclerc dans le coin. On n'en a pas. Comme quoi, t'as beau habiter une grande ville. T'as pas ce qu'il faut. Et voilà, j'ai un des beaux-arts, j'aimerais bien. C'est pratiquement le prix d'un livre. Ah ouais? Donc autant commander avec autre chose. Ouais, c'est comme quand j'avais commandé mes collines sur Amazon Japan. Autant prendre autre chose en même temps. Le collector Mister Princess, c'est une cata en ce moment. Ah ouais? Sur Amazon, tout le monde se plaint. Oh. J'ai déjà commandé dessus les Prisma, mais 11 euros, étant donné qu'ils étaient moins chers que les annonces en France, ça revient quand même moins cher. Ouais, moi je les avais commandés pareil aux US. Mais bon, moi ça fait un moment maintenant. Je les ai eus à 124. 124 euros. Déjà que je trouvais ça cher. Suis sur Paris, quand je vois les vidéos des rayons de vos Cultura ou Fnac, je suis jalouse. Ici, les rayons, il n'y a rien. Et des mini-rayons où ils vendent encore des vieux livres de colo qui datent de 10 ans. Bah franchement, Cultura Amiens, c'est pas ouf, hein. Franchement, hein. Toujours obligé d'aller sur l'île pour les crayons. Là, à Cultura, ils ont quoi? Ils ont les Polychromos, les Albrecht, Comté à Paris. Et puis, c'est tout. À l'unité, t'as rien. Ouais, je les ai eus à 130, les Prisma aussi, du coup. Ouais. Puis là, je prends mon réassort soit sur TXT, soit sur AliExpress. Le Mystère Princesse, je me suis plainte à la Fnac aussi, grosse remontée. Ah. Ça se trouve, ils les ont reçus aussi dans un mauvais état. Hein. Moi, plus rien m'étonnerait, moi, avec Hachette. Hein. Quand ils ont été capables de nous fournir des livres avec les couvertures dans le mauvais sens. Enfin. C'est pour ça que j'attends un peu avant de le prendre, pour avoir plus de sous et de prendre d'autres choses aussi. Ah ouais. Oui, livres neufs, tous en mauvais état, voilà quoi. Il y a 9 et 9, hein, c'est bon. C'est carrément tout le stock de livres princesses qui merdouille. Ouais, c'est à mon avis, ouais. À mon avis, ils les ont fourgués comme ça, je pense. Puis après, bah là, c'est tous les distributeurs qui se retrouvent emmerdés. On a vu hein, quand ils ont sorti le galerie de portrait avec leur page dans le mauvais sens, hein. C'est à se demander s'ils vérifient une fois imprimé, enfin je sais pas, qu'ils en impriment un, qu'ils vérifient ce que ça donne avant de lancer la totalité de l'impression, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'il y a des problèmes. En même temps, si tu es un bon vendeur, tu renvoies direct. Bah c'est ça. Mais ça se trouve, les cartons, ils avaient rien. Et c'est une fois qu'ils ont ouvert qu'ils ont vu que l'état du bouquin, c'était pas ça. J'ai pas vu. Mais ça craint. Hein. Parce que si vous êtes comme moi, quand vous achetez votre bouquin, vous prenez souvent celui qui est tout au fond. Vous vérifiez bien les coins, tout ça. Hein, n'est-il pas? À moins que voilà, vous sautez dessus, vous vous dépêchez de partir avec.
C'est une fois à la maison, vous vous dites merde, j'ai pas regardé. C'est le stagiaire, Jean-Eustache, qui a fait les impressions. Bah oui, mais ouais. Mais voilà, tout le monde n'est pas consciencieux, tout le monde n'est pas voilà, dans son travail. Voilà. Et si c'est une personne qui elle-même ne lit pas, ne fait pas du colo ou quoi, ça se trouve, elle s'en fout. Enfin, elle se rend pas compte que c'est gênant d'avoir un livre dans cet état-là. Les cartons avaient rien, c'est quand tu ouvres le livre et là c'est mort, les pages restent. Bah oui, donc là c'est pas les revendeurs qui sont en tort, c'est vraiment Hachette encore une fois. Alors que ouais, ils avaient dit qu'ils avaient renforcé le bouquin et tout. Hachette va être encore dans la sauce, mais ils aiment bien, je crois. Faire parler d'eux. Mais jamais pour les bonnes raisons, j'ai l'impression. C'était pour le vitraux. C'est le vitraux 2 où il n'y a pas la couve dans le bouquin? Les pages se détachent en plus. Ah, mais c'est... Bisous Cassie! Une bonne journée! Sont cons en plus parce que prendre 2 minutes pour vérifier, ça leur coûte moins cher que des dizaines de réclamations. Mais c'est ça! Puis la mauvaise pub! Même si ça qu'ils ont le monopole Disney, je veux dire, moi j'ai plus tendance à acheter du Hachette Jeunesse maintenant que du Hachette Heroes. Ils ne respectent pas, hein. C'est... Bonne journée, Bulle Bleue, merci. C'est dommage pour eux parce que les gens vont juste arrêter d'acheter leurs livres et se diriger vers autre chose. Mais c'est ça. Là, ça commence à faire beaucoup de problèmes avec les... Ouais, bah oui. Puis t'as l'impression que t'as beau leur mettre leur caca devant les yeux, ils s'améliorent pas, voilà. Le papier, il est toujours moyen. Vous pensez que la hype Mystère Hachette Heroes passera? Oh, franchement, je sais pas. Hein. Parce que là. Les mystères, là, ils sont à la mode, là. Hein. Avec TikTok, tout ça, là. Il y a une hype. Je sais pas. Mais qu'ils sortent moins de bouquins, mais qu'ils sortent de la qualité, quoi. Je pense qu'ils doivent avoir des assurances pour les remboursements de ce genre de problème. Je sais pas où ils continuent de vendre, quoi qu'il arrive. De toute façon, il y a toujours des nouvelles personnes qui sont attirées par le colo. Même s'il y en a qui le sont plus, qui vont passer ailleurs, il y a toujours les nouveaux qui vont arriver, donc je sais pas. Bah, tu les trouves partout, eux, hein. Oui, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Mais c'est quand même mieux d'avoir de la qualité, quoi, je sais pas. Vous voyez, Marabout, ils ont vachement évolué comparé à eux au niveau papier. Ils nous ont écoutés, quoi, je veux dire. Il n'y a rien à voir, hein. Leur papier est tellement bon maintenant. Vous imaginez, on aurait dû dessiner avec du papier Marabout. C'est l'autre jour, enfin je sais plus quand, j'avais vu quelqu'un faire une story et elle avait reçu en partenariat des bouquins. Et elle feuilletait et tout. Et j'ai eu un truc qui m'a tiqué, je lui ai envoyé un message. Les colos sont tous sur la page de gauche. Vous en pensez quoi, vous? Moi je sais que je préfère quand mon colo il est sur la page de droite. Ou quand il est sur la page de gauche, que c'est une double page, je mets régulièrement un truc en dessous pour que mes deux pages soient vraiment au même niveau. Enfin, je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir du dur, quoi, pour colo. Et du coup, je lui ai remonté l'info et elle m'a dit, ah ouais, c'est pas bête, j'y avais pas pensé et tout, et je vais remonter l'info. Ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça. Coucou Lénie! Bienvenue, merci pour le follow!
Oui, ça se revend rien que par le nom, mais même Disney, ils devraient leur dire, enfin, je sais pas, faites quelque chose. On comparait sur un autre lave justement avec Marabout, meilleur papier, quasiment toujours égal depuis le changement. Et pas de changement de prix, donc bon, bah c'est ça. Coucou. Oui, eux, ils nous ont enlevé des pages et on paye le même prix, on a moins de colos et le papier est toujours pas bon. Il y a que le papier dans les vitraux qui est bon. Où tu peux vraiment tout te permettre, quoi. Mais non. Pour ça, moi, Hachette Rose, je bave souvent sur eux, mais je suis désolée. J'aimerais bien que les infos remontent, parce que non. Ils se foutent de nous, hein. Même les blocs marque-page, il y en a moins. Tu payes le même prix, alors qu'en plus, ils font faire leur papier à Pétaux-Schnock. Il n'y a jamais une imprimante au même endroit. Les blocs sont faits. Un endroit, les bedonniers à un autre, enfin, ils sont. Je comprends pas leur système. Mais il y a quelque chose qui va pas, c'est sûr. Faut pas que j'oublie les cheveux là derrière. Ça vient des arbres, la mauvaise qualité de papier, c'est ça qu'ils avaient répondu. Hein. Non mais ils se rendent compte? C'est ce qu'ils avaient répondu par mail. Hein. Ouais, on ne peut pas gérer la qualité du papier, c'est les arbres. Les arbres sont tous différents. Non, mais allô, quoi. C'est honteux. C'est honteux. Ah ouais, non. Les pages dans le mauvais sens, là. J'ai toujours pas avancé mon Atlantide, hein, moi. Hein. Ouais, c'est honteux. Ah non, mais faut qu'il fasse quelque chose. J'ai toujours pas pu avancer, ouais, mon Atlantide, parce que la page est pas dans le bon sens et c'est gênant. C'est gênant. Ah mais oui, hein. Moi je trouve qu'ils nous prennent pour des cons. Hein. Ah, ça c'est. C'est pas encore cette année que je vais avoir une demande de partenariat. Merci, j'ai pas fait grand-chose pourtant. Ah non, mais. C'est dingue. Ils sont tout le temps dans la sauce. Attends, là, on a amélioré le bouquin, plus d'épaisseur, machin, ouais, mais si l'intérieur il se détache, je vois pas l'intérêt. Voilà. Il pensait qu'il allait être mieux que le premier 300, mais finalement. Ils ont encore fait pire que mieux. Vous avez déjà colo dans un de ces bouquins? Ça doit être. Bah, quand c'est sur la page de droite, ça doit être nickel, mais la page de gauche, ça doit être. Boycott général, ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Il n'y a rien qui va sortir là? Ah non, attends un peu. Parce que le magie de l'hiver, là, de Tracy de Souza, il me tente quand même. J'ai fait juste un point relié sur le 300. Ouais. Un point relié, j'en avais un, mais je l'ai revendu parce que. C'était vachement petit. Je suis vieille. Je vois plus très clair. Ouais, faudrait que Marabout il trouve d'autres illustrateurs, un peu dans le genre de Kirby et. Oh! Quelques mystères et un colo sur la page de droite, ouais. Ouais, mais tu mets un truc en dessous. Parce que ça doit faire un sacré décalage.
Mais moi, je colo dans mon canapé en travers, appuyé sur mes genoux, donc je me rends pas. Comment tu Non, moi, faut que je sois à mon bureau. Je peux pas colo ailleurs. Merci pour le follow. Elodie! Bienvenue. Tu colos pas de Mister Nick de Disney? Ah ouais? Et tu fais quoi? C'est qui ton illustrateur préf? T'es en caoutchouc? Ouais, t'avais mis un... Ouais. Bah ouais, c'est compliqué de colo sur la page de gauche. C'est pour ça, quand j'ai vu le partenariat, là, je me suis fait... Tiens. Et ouais, quand elle m'a dit qu'elle allait remonter l'info, j'étais là, non, trop bien. Enfin, un partenariat qui sert à quelque chose. Parce que c'est bien beau de recevoir des bouquins, mais voilà, il faut remonter les infos qu'il faut et... Ça permet bah, d'avancer, d'évoluer. Puis, comme on a dit avant, on est tous différents, donc du coup. Bonjour Taz. Elle est là, Taz? Je l'ai pas vue. Elle est là ou elle n'est pas là? Allô, allô? Oh, faites comment? Coucou Tipivoine, merci pour le follow. Oh, je pourrais pas, moi, colo sur le canapé. Déjà, j'ai mes gosses autour. Ils vont me prendre mes crayons. La base, Kirby, Carzone, Richter, j'en ai fait un de Richter. J'ai les trois. J'en ai trois de livres de Sarah Richter. Du plein de trucs, ouais, du plein de trucs. Non, elle est pas là. Hein. C'est Elodie, elle dit bonjour Taz. Pas là, Taz, c'est au travail. De soucis. Tu m'as fait une fausse joie. Maintenant, elle est au boulot. Bon, c'est bien. Elle va pouvoir relancer des lives là, du coup. Ça fait. C'est la bonne excuse pour qu'elle refasse le colorato. Vous avez pris des colos sur le thème magie, hein, quand même. Quand je tape Tascolor dans la barre de recherche Twitch, je tombe sur ta page. Ouais, c'est parce que vu qu'elle n'est pas en live, ça te conseille de venir chez moi. C'est tout. Ça t'envoie chez la personne où elle va habituellement, qui elle est en live. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu de soleil quand même, mais là non, c'est vraiment fini là. Hein. J'ai l'impression que on va pas le voir avant le moment. Hein. Faut que je reprenne un peu de vitamine D. Mais c'est pas bon. Là, j'attends le magie de l'hiver là. C'est pour janvier, je crois, qui va sortir. Là, les aperçus ont l'air. Mais bon, pareil, il sort tard, je trouve. Je pense qu'il a dû être repoussé. Ou... Et je pensais craquer pour le ces petites princesses de mystère là, avec Pocahontas en couve. Et finalement, quand je vois les élus dans l'intérieur, c'est pas pour moi. Tatum. Pardon. Ça va, elle est rousse là. Coucou Clémy.
Bienvenue. La Picardie, c'est pas fou en temps d'automne. Ouais, non, mais c'est pas fou tout court. C'est pas fou tout court. T'as une journée ensoleillée pour 3 jours de pluie. Faut faire une invocation au soleil. Vas-y. Oh. Ça marche pas, ça. 7 degrés. Ouais, c'est déprimant, hein. Mais bon, c'est du temps à rester sous la couette à faire du colo avec un bon chocolat chaud. C'est bientôt l'été, arrête. On n'en a pas eu cette année, mais vraiment pas, quoi. On n'a pas eu d'été, quoi. Mais si tu fais que chanter aussi. Mais oui! C'est plus fort que moi! Faut pas me voir dans la voiture, hein, quand je suis toute seule dans la voiture, en mon audio. Ouais, c'est honteux. Coucou, Caillou! Vous avez eu 42 degrés. Bah, si on est monté à 32. Ah ouais, non, fait trop chaud dans le sud, moi je tiendrai pas. Tu t'es rendormi? C'est honteux. Non, ça fonctionne pas, il n'y a qu'une plume, arrête. Ça marche pas. Le palais, c'est pas une plume, hein. C'est pas un plumeau, hein. Non, non, ça marche pas. Elle sait que je vais en faire un autre caillou. Elle a dit oui? Oh non, 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 non. Non, non, non. Je suis pas d'accord, moi, il n'y a qu'une plume. Il faut sévir, Gaëlle. C'est trop cool. Non, là, niveau sortie, ouais, j'attends le bah, le Kirby comme tout le monde. Et puis oui, celui de Tracy de Souza, sinon je sais pas trop. Bah, j'aimerais bien, oui, le Lana Carlson. Bonne journée Elsa. Bon lurk. Ah ouais. Hâte de voir ce qu'il va faire. Alors que le dernier là qu'il a sorti, je disais partout, non, je ne vais pas le prendre, il est trop dark et tout. Qui c'est qu'il a? Bibi. Mais j'aimerais bien qu'il en ressorte un du style du Mythomorphia quand même. Bah je pense oui que le marabout il va sortir plus tard. Hein. Va falloir qu'on soit encore plus patiente. On va le voir partout chez les autres, chez les Américaines. Mais non, je veux pas du plume, je veux pas du plume, je veux pas du plume. Une fois que tu t'es habitué au marabout ou à la version polonaise. Je crois que c'était pour juin le dernier. Ouais, mais regarde, le Alien, on l'avait vu de ouf au début chez les Américaines et ça n'a pas duré longtemps au final. Ouais. C'est clair, la version plume a failli me dégoûter de Kirby. J'en achetais plus jusqu'à ce que je découvre la polonaise et après Marabou a sorti son méga papier. Mais ouais.
Non, puis quand tu regardes le prix de la version polonaise, c'est abusé la différence de prix. Et voilà, tu vas pas me dire que Hachette Rose, ils peuvent pas faire un effort, quoi. Franchement. Ils nous prennent pour des pigeons. Des rouros. Ils nous prennent pour des rourous. Non, c'est un plaisir de colo dans du marabout. Édition polonaise, là. Bah, tu peux y aller au néocolore et tout. C'est trop bien. Et les pages, je détache pas. Oh, j'étais en PLS quand j'ai vu mes pages se détacher dans la plume, là. Oh là là, ça fait mal au cœur. Mythes et légendes sans hésitation. Ouais, le mythe et légende, toi? Ah, moi, c'est quand même le Mythomorphia. Hein. Même si le World Within World, j'y suis pas mal allée aussi. Celui avec les animaux, c'est quoi? C'est le Fragile World? Oh, celui-là aussi, je l'aime bien. Le moins, ou celui où je vais le moins, ça serait quand même le Alien. Je dirais. Malgré que ce soit le mythe et légende que je voulais pas. Le Mythes et Légendes, moi j'adorais le World Within World. Ouais, celui-là, j'y suis quand même pas mal allée. Alien et Mythique et Mythomorphia, mais je peux pas choisir. C'est la torture. La torture! T'en as fini un? Non! Punaise. Moi, j'ai pas pour but de finir mes livres. Non, non. Faut pas que je me mette cette idée dans la tête. Non, 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 je suis pas dans le. Non, j'ai pas ce but de finir mes bouquins. Je vais vraiment colo là où j'ai envie de colo. Je suis pas voilà, une amatrice de faire des challenges et challenges et challenges. J'en fais très peu parce que non, je veux quand même faire des colos que j'ai envie de faire. Voilà. Et mes envies changent très très souvent. C'est ça le souci. Il y a un spécial paysage japonais qui sort bientôt. Le Alien, c'est mon seul pas commencé. Je pense que je vais le faire avec des palettes couleurs. Ouais. Trop de possibilités quand je vois les colos pour savoir quoi faire. Ouais. C'est clair. C'est vrai que pour les Kirby, de toute façon, les palettes couleurs, bah, ou sinon les Clara Markova, voilà. Les palettes couleurs, c'est limite indispensable. Sinon, ça part dans tous les sens. Le moins bien pour moi, c'est Hal Dodolmorphia. Imagimorphia, je l'ai pas, j'ai pas l'Imagimorphia, j'ai pas le Géomorphia. J'ai le Coloromorphia. Et j'ai le Dodo l'invasion. J'ai eu une lubie à un moment. Je pensais qu'à lui, je me suis dit, il faut que je me le prenne, j'ai envie de faire des doodles. Du coup, je me le suis pris, mais je sais même pas où c'est que je l'ai mis quand j'y pense. Mais j'ai le Dodo l'invasion que je m'étais pris sur Vinted. Et voilà, j'aime bien de temps en temps faire des doodles. Monde fragile. Ouais, c'est vrai que toi, tu vas pas mal dans celui-ci. Le fragile world. Il n'est pas de Kirby, c'est une erreur Amazon. Oh. Puis toutes les copies qu'il y a aussi sur Amazon, il y en a plein qui imitent Kirby, enfin qui prennent des colos Kirby, qui mettent dans d'autres bouquins. C'est pas. C'est comme sur Etsy. Je pensais faire pareil parce que je galère pour savoir comment le mettre en couleur. Ouais. Ah ouais, les palettes couleurs. Sur le site Marabout? Je l'ai presque fini, mais j'en peux plus de lui. Bah oui, Kirby d'habitude, il fait des teasings. Il aime bien nous mettre l'eau à la bouche et puis. Si tu veux, on pourra faire. Ouais, ça pourrait être sympa, les filles.
Mais ouais, le 2 de l'invasion, ça m'avait pris. Je le voulais absolument. Ça m'avait fait pareil pour le petit carré Winnie. Toujours des fois. Et puis il y a un autre. C'était lequel? Je sais plus. Ah, le Histoire éternelle. Il y a des fois, j'ai envie d'un bouquin et je pense qu'à ça. Une erreur de Marabout, c'est pas du tout le style de Kirby et il en a pas parlé du tout. Peut-être que Amazon a repris les infos de Marabout. Ouais. Ma main a coupé, celle qui colo pas, que c'est pas du Kirby. Oui, si ça peut vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Faut pas que j'oublie les sourcils. Les sourcils, ma chérie. Oh, baby. Oh. Coucou, Pling. Bon matin. Elle vous petit coucou rapide. Mais oui, prépare-toi. Prépare-toi. Like just the way you are. Bien dormi? En forme? Ah, je les aime trop, ces petits chats là. C'est chez qui ça? Chez la Emiana? Baby girl. Baby girl. C'est bien, il y a des petits duos qui vont se préparer là, c'est cool. Ah, Timbaland, hein, c'était ah, la belle époque, hein. Ah là là, shock value. Avait un temps d'avance, lui. Non. Merci. C'est avec plaisir, c'est trop bien. C'est quand même plus cool de colo ensemble, hein? Non? Ouais, notre jeunesse, arrête, lesbie. Arrête, lesbie. Ah, j'y pense. J'étais dans ma chambre à danser sur mon lit avec le Timbaland là. Oh mon dieu. Ça nous rajeunit pas du tout, ça. Est-ce qu'on a. Nous, on a pris le coup de vieux. Que la chanson, on l'a pas pris. Hein. Ça va, les cheveux là, je m'en sors bien, je trouve. Hein, on a un bon roux bien flamboyant là, je trouve. J'ai peut-être noté le combo, non? Il serait peut-être temps. Mais moi, c'est souvent à l'arrache. Moi, les trackers, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. J'ai. Non. J'ai essayé dématérialiser. Je m'en étais sorti plein en papier. C'est pas pour moi. Donc les combos, voilà, j'essaie de le noter. R, là, Y. C'est dur, hein? Un petit crayon. Alors, oh! Coucou abstrait, bienvenue! Roux poli. Du coup, on est sur une illustration du Witches de Coco Wayo. C'est les viewers qui ont choisi. Et pour une fois, ils ont été cool. Ils n'ont pas choisi la plus compliquée. Du coup, on a le 188. 188, 187.
Le 219, le 118. Je sais même pas si je les ai tous utilisés au final même. Le 117. Le 111 et le 184. Hop, c'est noté. Parce que t'étais pas là. Du coup, oui, imprimé en A5. C'est tellement cool, les petits colos en A5. Du coup, j'ai revendu. Parce que je l'avais le bouquin. J'avais le bouquin en version Amazon, mais je l'ai revendu. Et je l'ai pris en PDF sur Etsy. Ils en sortent plus trop des livres comme ça, j'ai l'impression. Cocowayo, maintenant, ils font que. Merci Kalina. J'ai l'impression qu'ils sortent que des trucs pour faire du feutre alcool maintenant. Ils surfent sur la vague. Oh, ça va encore, ça va encore. C'est sûr, ouais, oui, le visage là et tout, bah, hein? Si quand vous avez peur de faire des portraits, ça peut être pas mal. Parce que quand t'as des grosses zones, c'est un peu plus compliqué, hein? Donc pour s'entraîner encore, ça peut aller. Hein? Tu vois la différence entre le A5 et un portrait en A4. Hein? Il y a moins de peau là. Tiens, pause déj avant le rush de midi. Ah, t'es au boulot abstrait? C'est la grosse mode des colos à feutre à alcool, ils s'adaptent. Bah ouais, mais bon, faut pas qu'ils oublient les autres non plus, quoi. Je sais que j'ai pas succombé au feutre à alcool. Non, ça va, je ferme bien. Le combo est pas mal. Et coucou les colos. Bye Clara, bienvenue. Ah, bah bon app, abstrait. Il est quelle heure? Faut pas que j'oublie, hein. Kalina, t'oublies pas de me biper parce que oui, je regarde pas l'heure. Que je vous envoie. C'est chez AD après. Du coup, je pourrais pas faire de raid, malheureusement. On peut pas faire de raid entre les plateformes. Mais je vous mettrai le lien de sa chaîne dans le chat. Hop. Non, j'aime bien, ça rend bien. Bah oui. T'es sur le groupe Facebook de Cocowayo depuis pas mal de temps et il n'y a plus que ça maintenant dessus. Les gens ne partagent plus les anciens. Oh, c'est con. C'est con. Parce que ils étaient pas mal leurs bouquins, c'est sûr, le papier est, hein. Mais bon, c'est pour ça, sur Etsy en PDF, c'est pas mal. Parce qu'ils en avaient fait pas mal des publications. Weird Couple. Je sais plus si c'est chez eux ou pas. Mais voilà. Fonctionnait bien, fut un temps avec ça aussi. C'est dommage de mettre ça de côté. Bah oui, les anciens, ils faisaient des belles illus. Parce que bon, est-ce qu'ils ont gardé les anciens illustrateurs ou voilà, non, on travaille plus avec vous. Et enfin, c'est dommage. Ouais, c'est Coco. Ouais, bah ceux-là, ils étaient pas mal. Hein. Bon, j'avoue, je les ai pas pris. J'ai le Gothica aussi, il était pas mal. Mais ils avaient lancé pas mal de trucs intéressants. Ouais, bah c'est dommage.
Parce que bon, ça va peut-être être qu'un effet de mode hein, aussi, hein, les feutres à alcool là. Bon, dans quelle couleur on va partir pour la tenue? On refait un sondage? C'est dommage qu'on ne connaisse pas les anciennes. Bah oui, pour les suivre ailleurs, bah c'est ça. Parce que, enfin. Et c'est quand même. Ils font des belles choses. Et oui, c'est dommage, parce que je suis sûre qu'on passe à côté de pépites. Violet? Ça va bien avec le roux, le violet? Ça suffit avec le bleu, je ne vous lis plus. Le bleu est banni. Le bleu, c'est fini. J'en ai trop fait. Je suis désolée, Gayoul. Mais non, le bleu, faut dire stop à un moment. 94, il va là. Non. Là, c'est le 17. Oui. Du coup, j'hésite toujours à revendre mes polis pour garder que les Albrecht, mais je sais pas. 114, celui-là 90. Du violet, du coup. Je prends quelle gamme? J'ai quoi de sortie? J'ai les collines et les plus bas. Colline, je sais pas où je mets. Le son est plus bas pour celle-ci, je sais pas pourquoi. Alors, parce que là, du coup, on a les gants, on a son petit sa chemisette là, son petit haut là, le nœud, les collants. Ça va partir en cacahuète, tout cette affaire là. Non, abstrait, pas de bleu. Je sors d'un monochrome bleu, j'en peux plus. Merci Blue Teddy pour le follow. Bienvenue. Non. C'est bien, les crayons bleus sont déjà sortis comme ça. Non, 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 je les ai rangés juste avant. Juste avant le stream, je les ai rangés. Je voulais plus les voir. du coup, on va faire celui-là, 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 705. 700, c'est combien? 716, c'est le 50e crayon. 50, le 49 et le 47. Ah ouais, non, le bleu, c'est bon. On va attendre un petit peu avant d'y retourner. Double page en plus. C'est Princesse, elle m'a piégé. Elle m'a envoyé une photo, mais elle m'a envoyé la photo que de la page de droite. Du coup, je dis, ah, c'est mignon ça, tiens, on va faire ça. Puis quand j'ai regardé l'illustration, j'ai vu que c'était une double page. Je me fais merde. Je me suis fait avoir. C'est celui-là. Ouais. Bon, allez. La robe. Je pars sur la robe ou je fais le chemisier?
La chemise, je ferai peut-être plus clair. On va faire la robe. Non, ça va, je suis contente pour les cheveux. Ça ressort bien. Les boobs. Que je finisse mon café avant qu'il soit froid. Je me suis fait vu, il est déjà froid. Non, faut pas que je chante. Du coup, les gants aussi, je vais les faire comme ça. Ça. On C'est la danse des chachas. Mais est-ce que j'ai un chacha qui danse, moi? Non, j'ai pas de chacha qui danse. J'ai un chacha sur un balai. Ça fonctionne? C'est dans le thème. Ta-ta-ta-ta. I want it. Qu'est-ce que vous allez manger ce midi? Il me reste une part de pizza. Je vais manger devant le live des filles. Avant de partir au centre. Bon. Ah oui, toi tu viens de manger. T'as mangé quoi du coup? Soupe et dinde. Ok. C'est hier, moi j'ai mangé une soupe. Du coup, à 4 h, j'avais la dalle. J'avais mangé une petite soupe de potimarron là. C'était bien. Devant mes replays de L'amour est dans le pré. Waouh, c'était génial. Oh, une potée de choux de saucisse, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Ces pâtes, du poulet, de la crème. Ah, c'est bon si ça. Crevettes, carottes râpées, œufs. C'est pas mal. Saumon, concombre, fromage blanc. Mais la potée de choux, va falloir que je m'en fasse une bientôt. Ah, mais moi je suis fille d'agriculteur, donc ouais, je regarde L'amour est dans le pré. Bisous Néodième, merci d'être passé. Bon après-midi. À tout bientôt. Habille-toi, tout le fin, tout le monde. Ah. Mais cette année, ils vont avoir un bon quota, je pense, hein. Il y a pas mal de couples en formation là. C'est bien. Pam pam param pam pam param pam 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 pam.
Mais je m'attendais à ce qu'il soit plus. Je sais pas. Non, ça va aller quand même. Les collines sont vraiment pas mal. C'est vraiment une gamme que je pourrais me recommander, ça, je pense. Bon courage pour le travail abstrait. Mes amis, toi, une fois, moi, je sors de ta peau. Soumets-toi. Ah, les collines, franchement, oui. Ah, franchement, ils sont agréables. Merci, Roshiwa. On est bien sur Twitch. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vais même en reprendre un plus clair. Anything Les gars, 706. Les gars, magnifique. C'est vrai qu'elle est top. Ah oui, franchement, au niveau rapport qualité-prix, pour les collines. C'est juste dommage de ne pas pouvoir voilà, les retrouver à l'unité, quoi. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Parce que bon, bah, on va pas se le cacher, hein, les algorithmes, ils sont pas ouf, hein, du coup, ils vous montrent pas forcément les dernières arrivées et tout. Les plus petites chaînes. Mortal Instrument, ça aussi, il y aurait de quoi faire des colos. Je suis beaucoup dessus, pas forcément pour le colo, et pour justement trouver du colo, c'est galère. Bah oui, on est d'accord, c'est compliqué d'avoir du traditionnel, hein, sur touche.
Faut fouiller, faut fouiller, faut fouiller. Bah maintenant, t'as pas mal de colos mystères. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui s'y sont mis. Mais sinon, colo tradi, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des découvertes à faire, hein. Je suis moi sur Twitch. Alan Barbeau, il fait. Lui, c'est de la colorisation avec du stylo bille. C'est incroyable. Je sais pas si tu peux faire un saut pour Alan Barbeau et Kalina. Toutes les illustrations qu'il fait, c'est tout au stylo. Stylo bic. Oui, quand même. Sinon, je suis aussi des fois le dimanche matin, j'aime bien, c'est Dave le dessineux. C'est un des dessinateurs de chez Glénat. Donc, il fait du Disney comme d'autres choses. Mais j'aime beaucoup aussi. Donc, ouais, Twitch, vous fouillez. Si tu as vu le prix sur Amazon France, c'est clair, ça fera moins mal sur Amazon.com. Mon chéri veut m'offrir une gamme de crayons. Quand il a vu le prix des Prisma, il a changé de couleur. Un vrai dégradé sur pâte. Lol, arrête. C'est mon homme qui devait me les offrir, les Prisma. Mais il attendait. Puis là, un jour, j'ai vu une promo. Bah, moi, je me les ai commandés moi-même parce que sinon, il serait passé à côté. Et j'ai bien fait, hein. Il me croyait pas, je lui dis, tu vas voir, demain dès demain, il change de prix. Mais ça avait pas. J'avais pas menti, hein. Ouais, quand il y a une occasion, faut sauter dessus. Hein. Coloricat, bon après-midi à toi! Merci Kalina. Ah ouais, c'est incroyable. Là, il fait un set de jeux de cartes. Mais voilà, toutes les illustrations sont faites entièrement au stylo bille. Même sur Vinted, je regardais les prix tout à l'heure, c'est abusé. Ah bah, il y en a. C'est dingue. Je vous fais un bisou maintenant, je suis concentrée sur le boulot et on va sûrement partir en speed à midi. À tout à l'heure sur YouTube, j'espère arriver à temps pendant la pause de midi, c'est chaud. Des bisous Saki! Le prix correct pour les USA, c'est plus ou moins 150$ frais de bord compris. Pas de frais de douane, non. Ça va, le violet, ça passe bien. Y a une couleur que vous détestez, que vous mettez jamais dans vos colos, ou pas? Le rose. Coucou, c'est pas l'heure. Ah, le rose. Ouais, mais t'as quand même une petite préférence pour le jaune et le bleu, Gaïoul, hein?
Bonne journée, Tipivouane. Oui. Moi, j'ai un peu plus. C'est le jaune, j'utilise pas beaucoup le jaune. Je le vois dans mes trousses que les jaunes, ils bougent pas plus que ça. Instant. Je suis pas très fan du orange, mais bon, on en a besoin pour faire des roues, des machins. Donc voilà, les animaux, les. Donc, on s'en sert quand même. Il est moins 5. Ah oui. Bon. Vous mets le lien de AD. Faut quand même que je libère la place. Je finis ça. T'as eu peur toi aussi? Le ding-dong, il n'a pas fonctionné. Bah oui, il y a un espace. Jus, voyons, jus. Elle a commencé à lancer ou pas? On va les miam-miam devant Adé et Plim. Je sais pas du tout sur quoi on va partir. À venir, ouais, c'est pas encore lancé. Ouais, 2 minutes 38. Bon. Donc j'espère que ça vous avez quand même passé une bonne petite matinée avec moi ce matin. Je pense que. Je trouve qu'on a quand même bien avancé, non? Ça va? Oui, pour une fois, c'est pas toi, Fozzy. Du coup, tu les as butés? Ou tu t'es fait buter? Non, je trouve que ça va. J'ai pas trop chanté pour une fois. Les replayers, ça devrait aller. Force à vous quand même. Merci à vous. C'était super. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Des gros bisous tout le monde et du coup tout le monde chez AD. Hop, je remets le lien encore une fois. Merci. Des gros bisous tout le monde. Passez une très bonne après-midi et surtout des bonnes semaines de coloraton. Des gros bisous. Bye. Oui, rendez-vous sur YouTube chez AD.